Alors Jérémy, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Alors tu vois, on est dans un espace public plus ou moins grillagé maintenant, quoi, dans un petit square qu'il y a dans le Vieux-Nice. Et on est en train de bricoler des jardinières. À la sortie du confinement, on s'est dit que c'était évident qu'il fallait commencer à cultiver en ville, quoi. En fait, il y a eu deux catégories de gens. Il y a ceux qui se sont dit « la ville, j'en peux plus ». Je me barre à la campagne, il y en a d'autres qui se sont dit il faut ramener la campagne à la ville, enfin c'est pas nouveau. Et là c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc l'historique c'est qu'on a rencontré des gens de la mairie, donc responsable du territoire au niveau de la métropole, un directeur, quelqu'un qui nous a bien accueillis, qui nous a dit ok, on va commencer avec vous, c'est cool, de quoi vous avez besoin, d'espace, etc. Ils nous ont conseillé de créer une association pour la végétalisation du Vieux-Nice. Donc on est une quarantaine d'habitants à s'être réunis il y a 3 semaines. Là c'est la deuxième étape. On s'est dit qu'on allait commencer parce qu'on n'avait pas de nouvelles de la mairie pour l'instant. Bon, on se dit que c'est peut-être les élections, on n'en sait rien. Mais en tous les cas on est motivés, on a des plants, des semis, on a des palettes, on met de la terre dedans. De la bonne... Parce qu'il y a également tout un côté DIY, faites-le vous-même et puis apprentissage là-dedans. Alors aujourd'hui, ouais, complètement. Quoi. L'idée du jour, c'était de faire une réunion action, quoi, c'est-à-dire de directement pratiquer. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus pratique que les plantes qui poussent. Quoi, en fait. C'est la fête de l'arrosage des plantations qu'on a fait le 19 juin. On a planté plein de tomates, des courges, tout ça, et on s'est dit qu'on allait arroser ce soir, c'est-à-dire arroser avec l'eau du paillon. Donc François, lui, il a fait ses petits diables pour tenir les tomates, et en fait, ces petits diables, ils sont restés. Les gens se sont adaptés aux petits diables, ils leur ont donné des noms. Il y a eu quoi comme plantation ? Enfin, ils mettent des tomates, des courges ? Tomates, courges, poivrons, il y a eu des plantations de fleurs, des dahlias, des framboisiers. Pourquoi le Quai Véranie ce soir ? Parce qu'il y a plein d'autres endroits. Ouais, pourquoi le Quai Véranie ? Pourquoi ici ? Alors, pourquoi ici ? Parce qu'au départ, les Diables, on était aux casernes là-bas, sur Saint-Jean-d'Angély. Après, on est venu ici parce qu'on a trouvé ce local et qu'il fallait s'implanter quelque part. Et quand on s'est implanté ici, on a dit qu'il faudra faire la fête sur ces lieux. Notre envie, c'était toujours d'adopter cet endroit et on ne l'a jamais fait. Et après, pendant le confinement, on s'est dit, voilà, je crois que là, on est prêt à faire la fête, à prendre l'espace public. Et c'est un lieu que peu de gens côtoient finalement, mais parce que souvent on est dans le Vieux-Nice, on est au port, tout ça, et on s'est dit y a un lieu à conquérir et on va le faire. Les plantations, l'art, la musique, la danse, bien boire, bien manger, et puis il y a des gens qui viennent, qui donnent des conseils. Au Diable Bleu, il y a vraiment cette volonté à la fois de militer, mais en même temps de militer en faisant la fête, en mangeant bien, en buvant en étant ensemble. C'est ça, c'est le pantail. Ce qui est important, c'est le pantail, c'est-à-dire toujours militer, mais avec dans la tête la petite musique, l'art, la danse, ça c'est hyper important. Il y a aussi ce militantisme de joie pour que les gens s'y retrouvent aussi, parce que sinon la vie sans la musique, sans la danse, sans la joie, c'est difficile. Essayer, trouver l'énergie pour que ça continue, même si des fois c'est difficile parce qu'on n'est pas nombreux ici au local et que des fois on se dit bon, mais à quoi ça sert tout ça, est-ce que voilà, mais
après, chacun se soutient pour continuer. On aimerait bien envisager que la terre qui est autour de nous, qui s'est complètement minéralisée avec le temps parce que bon, elle est pas nourrie, elle est morte, de la redynamiser. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, de pourquoi pas faire un bac à compost, tu vois, sur cet espace qui est là. Parce que tu vois, la terre est complètement, c'est presque devenu de la roche. Et on peut lui donner une nouvelle chance dans la vie, en fait, quoi. Et pour elle et pour nous, et voilà, en fait, on peut cultiver ici, le climat est fantastique, en fait. Voilà, on était dans un autre jardin il y a quelques minutes, on dirait en fait un petit jardin tropical, et pourtant c'est des pieds de tomates et des potimarrons, quoi. Mais préparer les esprits à ce que on ait des comestibles partout en ville, pour les gosses du quartier, pour... Mais comment t'expliques, en fait, qu'on soit passé d'une agriculture ou d'une culture... nourricière et belle et agréable à l'œil, il y a une culture inutile, parce que finalement, bon, les palmiers ont beau être ravissants, mais c'est parfaitement inutile comme objet, c'est plus que de la déco. Ouais, c'est un peu, c'est vrai que c'est le monde de l'apparence, quoi. On est dans un jardin, donc on est censé être dans un espace public, mais il est grillagé en permanence. Il y a une caméra là-haut pour te dire que t'es pas tranquille. Et on est censé être dans un jardin, donc avec des choses vertes, pas de la nature. Et en fait, on a ce truc-là qui résiste. Il a été mis là parce que c'est un survivant de la nature. Il doit dater de je sais pas quel site géologique. Mais en fait, on voit bien que là, ouais, à la limite, avec de la peinture verte, ça serait plus joli quoi, que ça, quoi. Actions sur la végétalisation, mais je suis actif sur des actions qui concernent d'autres thématiques, tout ce qui est utilisation de l'espace urbain, réappropriation de l'espace urbain, co-usage, nouveau usage. En plus à Nice, on a des thématiques particulières, notamment avec une privation qui est de plus en plus accentuée des espaces publics. Pourtant, les parcs sont grillagés, les plages sont grillagées. L'idée, c'est de se réapproprier l'espace public pour en faire à nouveau des lieux de démocratie directe. Des espaces de rencontre, d'échange. Un argument à la table, une motivation, la convivialité, quoi. Autour d'une table, on partage des choses, on partage un moment, on partage un repas, peut-être on va partager un regard et une discussion, et pourquoi pas politique ou poétique. Recréer des espaces de poésie, de convivialité, de fête, même de folklore. Du coup, là, tout un thème qui est autour du folklore, sur les décorations, sur le fait de puiser l'eau, de la mettre au... De ritualiser l'arrosage, en fait. C'est peut-être ça aussi. Moi, je pense que quelle que soit, au final, l'action, quand elle est dans l'échange, là, des gens qui, hop, s'agglutinent, se demandent comment on fait pour participer, pour aider, pour faire ceci, pour faire cela, quels sont les espaces de rencontre actuels où on peut prendre le temps de juste se rencontrer. À ça, je supprime les espaces marchands, les espaces de travail, parce que c'est pas vraiment de la rencontre avec des collègues. On subit à quel endroit, à quel moment on peut rencontrer du random, quoi, un peu de hasard. Bon, là, c'est des milieux fermés, quelque part, qui se rencontrent, mais dans l'espace public. Alors, peut-être quelqu'un regarde, peut-être quelqu'un s'intéresse, se rapproche. L'espace public, quoi. C'est à tout le monde. Donc on peut y planter des courges, mais il faut penser que ça reste à tout le monde, et donc il ne faut pas peut-être planter que des courges. Il faut aussi penser à ceux qui aiment les concombres et les fraises.
Le marre des céleris. Le céleri, voilà. Ouais, la question du céleri. Le céleri gave ou le céleri rave, c'est comme tu veux. C'est pas délicieux, mais pour le coup, c'est très nourrissant. Ouais, ouais. Lobby du céleri, encore frappé. Eh oui, le céleri. Nous fêtons le céleri aujourd'hui, qui est un aliment aphrodisiaque. Exact. Tout à fait. Ils n'oublieront pas de rappeler qu'il y a trop d'oignons et pas assez de céleri. Hein. Très bien. Ce qui nous permet de dire, oignons partout, céleri nulle part. Est-ce que l'on met du céleri dans le pain magna? Oui! Est-ce que l'on met de la pomme de terre dans le pain magna? Non! Honte à ceux qui le font! Est-ce que l'on met des haricots dans le pain magna? Si ça peut! Ah, ça peut, si un peu! Non, si, quand même un peu! Franchement, si, ça peut le faire! Il y a du verre et quelque chose! Est-ce que je mets de l'huile d'arachide dans le pain magna? Je vais me le mettre dans le pain magna. Alors on lève tous la main, les mains sont toutes levées. Et pourquoi on s'en fout à Nice, même pas ici ou Nice, je n'aime que le céleri. L'objectif de l'association, il y a à la fois quelque chose de très pédagogique envers ses adhérents, envers la ville en général, mais aussi un aspect très très ludique et un aspect d'action. Donc. Voilà, ouais, c'est s'amuser ensemble, entre habitants du quartier d'ailleurs, que ce soit intergénérationnel, en tout cas ça serait vraiment génial qu'on ait des gosses et leurs grands-parents voilà, qui viennent et qui participent à ça, parce que la terre, il faut continuer à l'entretenir, parce qu'elle est vivante. L'inverse de celle-ci, et les plantes, il faut les arroser, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est ludique. Là, on a mis une petite pochette où on va permettre aux habitants du quartier de mettre leurs idées, la boîte à idées, et on avance comme ça. Ça tiendra comme ça tiendra, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est l'avenir, quoi. Une belle boîte à plantes en espérant que ça germe et que ça fleurisse de partout. Quoi, en fait. Donc quand on part du principe que finalement on est autonome à 2% au niveau alimentaire à Nice, donc cette association elle participe aussi justement à nourrir les esprits et faire prendre conscience de choses. Donc. C'est sûr que la nourriture pour l'esprit, ouais, ça c'est évident. Et de la ratatouille dans les jardinières suspendues, des ruches, parce que le miel de ville en fait est d'assez bonne qualité depuis quelques années, parce que voilà, y a moins de pesticides en ville des fois qu'à la campagne. Des vergers urbains. Qu'on arrête de... Bon, c'est bien cool d'avoir une plante préhistorique, mais ce serait encore plus chouette d'avoir un magnifique figuier, quoi, sur le modèle des incroyables comestibles, par exemple. On peut taper dans tous les domaines de l'agriculture urbaine pour augmenter, en fait, l'autonomie alimentaire d'une ville, mais considérablement, en fait. On a des dizaines, ça c'est sûr au moins, d'hectares perdus, là, sur les façades, au sol, sur les toits. Si on imagine, en fait, que n'importe quel espace de terre peut devenir un endroit où il y a des comestibles, le calcul est vite fait, ça peut... On compare avec le jardin qu'on a vu tout à l'heure sur 10 mètres carrés, la quantité de comestibles qu'on est capable de produire en fait. Des belles couleurs, des fleurs, des bonnes odeurs, de la fraîcheur parce que c'est un aspect qu'on n'a pas abordé, mais végétaliser aussi, ça ramène de l'humidité, ça ramène de la fraîcheur, ça fait baisser la température moyenne d'un périmètre. Les plantes préhistoriques qu'on nous met, c'est pas le symbole des politiques préhistoriques qu'on subit. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion, quoi. Au moins préhistorique, quoi. Et encore, ça serait peut-être insultant pour les amis de la préhistoire qu'on n'a pas connue, quoi. À mon avis, c'est une branche de l'histoire qui s'est complètement décalée, quoi. C'est la préhistoire parallèle, quoi.